La rue El-Moazzeleddin Elah El-Fatemi est une rue qui représente le cœur de l'ancien Caire. Elle a été rénovée pour être un musée ouvert de l'architecture et des monuments islamiques. Avec la construction du Caire sous le règne de la dynastie Fatimide en Égypte, la rue El-Moaz a été créée. La ville était traversée par une route principale qui s'étendait de Bab Zouéla au sud à Bab el-Fetouh au nord. Elle était appelée la Grande Rue, puis Qasabat el-Qahira. Cette rue divisait la ville en deux parties quasi égales. Et elle était le centre politique et spirituel de la ville. Avec la transformation qu'a connue le Caire au début du 7e siècle, 13e siècle après Jésus-Christ, et avec le début des attaques des Tatars sur l'Orient et l'Irak, beaucoup d'Orientaux sont venus en Égypte. Les lieux situés hors des murs du Caire ont accueilli beaucoup de gens. Les nouveaux quartiers étaient entourés de la muraille du Caire fatimite et la grande rue a été remplie de bâtiments religieux, éducatifs, médicaux et commerciaux. La grande partie des monuments islamiques d'Égypte est devenue un centre à l'intérieur des frontières du Caire mamelouk. La mosquée de l'Akhmar est située rue d'El-Moaz. C'est l'une des plus petites mosquées du Caire, mais il s'agit d'un chef-d'œuvre architectural authentique. C'est la seule mosquée construite sous le niveau du sol et la première parallèle à la rue au lieu d'être parallèle au sahl. C'est pour cela que l'intérieur de la mosquée est déplacé par rapport à sa façade. La façade est entourée de deux piliers proéminents, la porte et les deux pinacles.
orienté vers l'avant d'environ 70 cm. Et cette prééminence vise à ajuster la position de la Qibla, afin que les rangs des fidèles en prière soient au même niveau. Cet élément architectural est apparu pour la première fois à la mosquée de l'Akmal. La plupart des mosquées qui ont connu le phénomène du penchement de la Qibla dans le monde islamique ont fait la même chose. Le calife Al-Amr bin Ahkam Billah, Abu Ali El-Mansour bin El-Musta'li Billah a ordonné de construire cette mosquée et son ministre El-Ma'moun El-Batahi a supervisé sa construction. Dans la rue historique d'Elmoaz se trouve également la mosquée du sultan Barkouk. C'est l'une des plus anciennes mosquées historiques, chef-d'œuvre de l'architecture, que les architectes modernes seraient incapables de construire malgré le développement des machines et des matériaux de construction. La construction de la mosquée du sultan Barkouk remonte à l'année 1286 après Jésus-Christ, soit 788 de l'Égypte. Première mosquée de l'époque mamelouk, elle a été construite par le sultan Zahir Abu Sa'd Barkouk, premier souverain d'Égypte, issu des mamelouks circassiens.
L'idée de la construction de la mosquée était d'en faire une école pour enseigner les quatre écoles de jurisprudence. La mosquée était attachée à un dôme et à un khanqa pour les soufis. À sa place, il y avait un bâtiment résidentiel appelé khanqa de zakat, dont la construction a été supervisée par le prince Jenks Khalili, Amir Akhor. La conception de la mosquée se présente sous la forme d'une école composée d'un sahne carré au centre et avec quatre niveaux, dont le plus grand est celui de la Qibla, composé de trois couloirs. L'iwan occidental est plus large que les iwans latéraux. Le minaret de la mosquée est situé sur le côté septentrional. La mosquée a des objectifs religieux et caritatifs qui ne se trouvent pas dans n'importe quelle autre mosquée. Elle comprend un khanqa pour les soufis, une école pour enseigner les quatre écoles de jurisprudence. Elle contient également de sabil et de kotab pour enseigner le courant. Elle a des caractéristiques architecturaux qui ne se trouvent dans aucun autre monument. Il y a deux phares similaires, de sabil, de koutab et deux grands dômes, avec au milieu une troisième petite coupole au-dessus du mihrab. Le sultan Azhar Barkouk bin Anas bin Abdallah Jarkassi était surnommé Tamkha,
Le prince Yalbura l'a acheté à Osman, le marchand d'esclaves, et l'a appelé Barkouk, prune, car il avait de beaux yeux. Il rejoignit le service du prince Manjak du Levant, puis devint l'un des Mamelouks du Sud dont Ashraf Shahben, Ben-Hossé, 1363-1376 après Jésus-Christ. Le sultan l'a rapproché de lui et il l'a promu au poste d'émir de 40 chevaliers et devint Atapk, titre de noblesse turque, à l'époque du sultan Mansour Ali Ben-Shahben, 1376 après Jésus-Christ. Barkouk seul dirigea les affaires du sultanat, puis monta sur le trône au mois de Ramadan 784 de l'Hégire, 1382 après Jésus-Christ. Il a été destitué en 1389, puis nommé à nouveau en 1390 après Jésus-Christ. Il est resté sultan jusqu'à sa mort, au mois Shawwal 801 de l'Hégire, 1389 après Jésus-Christ. Il a été enterré dans le désert des Mamelouks. Là, quand vous marchez dans la rue d'El Moès, elle vous emmène à d'autres époques. C'est comme une machine à remonter le temps qui nous permet d'entendre les pas des chevaux de Jawar al-Saqali quand il a envahi l'Égypte. On peut donc imaginer en train d'accueillir le calife El Moès, l'Edinillah, lors de l'immigration de sa nouvelle ville et voir
El-Hakam Bamrillah, inspectant les habitants la nuit sur son âne, et aussi Badreddin Jamali, le commandant des armées, reconstruisant la muraille du Caire. Ceux qui ne sont pas allés à la rue del Moès n'ont pas vu la civilisation égyptienne, les monuments islamiques, la beauté architecturale, les minarets, les belles mosquées et les décorations de ces lieux. Chaque lieu raconte une histoire.